Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation du Hot Lap numéro 5 sur Assetto Corsa. Cette fois, comme vous l'avez sûrement vu, j'ai décidé de ne pas dévoiler le combo dans la description et dans le titre de la vidéo, mais de le faire directement dans la vidéo pour ajouter un petit suspense. Et on va continuer comme ça en commençant par présenter les résultats du Hot Lap numéro 4, qui était donc sur la Mercedes 190 Evo 2 sur le circuit de Puquecue. Alors, sans grande surprise, c'est encore Julien Chen qui remporte ce hot lap avec 3 dixièmes, ouais, presque 4 dixièmes d'avance sur moi. Et ensuite, on a Rudy Furigan qui est tout proche de moi, à 2 centièmes à peu près, 1 centième 4. Et ensuite, on a Matt Tanner qui est à 6 dixièmes du premier, Ben à 7 dixièmes, Joël Philibert à 8,75. Ensuite, on a Toots à 9,26 et Speedge à 9,82, donc on est 8 dans la même seconde. Ensuite vient Depielo Gaming, FabFR, Didier Galea, AkuL, JH Fiamma alias Tug, Roraptor et Julien Pierre pour les 15 premiers. Ok, bah écoutez, merci encore d'avoir répondu présent sur le hotlap. Je vois que ça vous plaît, ça fait plaisir. Et je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on va passer au hotlap numéro 5, présentation du combo. Et ce sera donc de la Formule 3 sur le circuit de Pau. Combo proposé par Laurent Cobracchio, deuxième fois que c'est un de ses combos qui sort. Et effectivement, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa, surtout que c'est un combo qui existe dans la vie réelle. Donc sur le circuit de Pau, le seul circuit en ville français. Si on met de côté le circuit à Paris en Formule E. Et qui est plutôt cool en fait. Je me demande si c'est pas la première fois que je roulais dessus là pour faire ces essais. Alors j'ai pas fait beaucoup de tours, hein, honnêtement. Là j'ai fait peut-être une dizaine de tours histoire de pouvoir vous faire une vidéo illustrée pour vous montrer un petit peu le circuit et la voiture. Et c'est plutôt sympa. J'ai commencé à me prendre au jeu. Et j'ai dû me raisonner et arrêter parce qu'il est bientôt l'heure de manger et il y a le Grand Prix à 14h. Et puis de la Formule 3 quoi, châssis d'Alara. Je me suis pas plus renseigné que ça, je connais pas plus que ça, je vous avoue. J'ai pas trop le temps, hein. Encore une fois, en ce moment, j'essaie de faire des vidéos le plus rapidement possible. J'espère que ça se voit pas trop. Et puis, ben voilà quoi, hein. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je ferai mon temps plutôt le week-end prochain, je pense. Voire même la semaine d'après, pendant l'intersaison e-racing, j'en profiterai. Ce qui fait que j'espère que vous ferez des temps cette semaine pour pouvoir me donner un objectif chrono quoi. Ça serait plus intéressant. Ça, je pourrais faire une petite vidéo où j'essaye de vous battre. Et je crois que j'ai tout dit, hein. Comme d'habitude, ça va durer 2 semaines. Donc là, on est combien? Donc ouais, jusqu'au 10 décembre, vous avez pour faire votre temps. Je sais pas si je renchaînerai sur un autre combo du coup. Non, parce que si j'enchaîne sur un combo, ça fait fin le 25 décembre, c'est pas terrible. Après, il y a le nouvel an, donc je pense que le prochain combo, ce sera plutôt en janvier. Enfin, le prochain hot lap, pardon. Donc profitez-en, c'est le dernier avant un petit moment. Écoutez, je fais pas plus long pour accélérer l'encodage et l'upload. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous viendrez encore une fois nombreux rouler. Je vous embrasse. Tchuss!